là on est à As. Non, touche pas. Pourquoi? Parce que c'est une belle ville, les guitares. Oh, c'est nul à Spen, c'est tout pourri. Et c'est tout le temps des no parking. Oh. Librairie, j'y vais. J'y vais. Ah non, c'est pas là. Ça commence, tiens. Ouh, il y a le beau temps, j'adore ça. S'il y a quoi? Voilà, donc on était à Aspen, on a fait un petit tour, on a fait les démarches qu'on devait faire, on a rencontré les gens qu'on devait rencontrer, ce qui était un tout petit peu privé. Voilà, maintenant on se dirige vers Gunnison. Gunnison, c'est environ, on avait dit, à peu près 3 heures de route. Voilà, on ne sait pas si on va le faire aujourd'hui ou pas, mais voilà. Voilà, donc sachez que ce n'est pas encore la saison à Aspen, on est en octobre. La saison touristique hivernale, en général, commence d'ici 15 jours à 4 semaines. Mais c'est surtout décembre et janvier qui sont les mois les plus importants. Décembre, janvier, février. Ouais. Comme vous voyez, Aspen, vous voyez que ce qu'il y a à visiter vraiment, c'est la vieille ville. Pour visiter les maisons de célébrités des riches, il faut passer par derrière. Malheureusement, Independence Pass, c'est fermé. Tous les passes sont fermés pour y accéder. Quoi. Voilà. Donc moi, je dis toujours que la meilleure façon de visiter Aspen, c'est après saison. Si on aime le ski, non, parce que voilà, pas de neige encore. Mais nous, on a eu la chance, on est venu en octobre, il y a eu beaucoup de neige. Surtout quand on est passé à Velle, on était à Velle hier, il y a eu beaucoup de neige. On a pu voir des choses. Voilà, la vie d'Aspen en elle-même, c'est pas ce qu'il faut comme ville, quoi. C'est surtout la vie des riches. Les maisons sont vraiment concentrées en hauteur. Mais pour bien les voir, comme elles sont très concentrées, très séclues, isolées, bien cachées, il faut passer par Independence Pass, passer par les passes, passer les petites routes. Il y a quelques années, avec des amis, on avait fait ça, c'est vraiment intéressant. Mais les routes restent quand même un tout petit peu dangereuses. Mais voilà, à Aspen, les stars ont vraiment beaucoup de discrétion. Beaucoup de distractions, on n'a pas à les embêter, quoi. Ça se passe plutôt super bien. Voilà, on se retrouve peut-être à Gunnison ou entre au milieu de deux. On verra comment la conduite elle, se passe. Ici, on regarde un peu de l'autre côté, comment je suis. Voilà. Pourquoi ils m'amènent ici encore? Je mets toujours dans les endroits que je n'ai pas envie d'aller. Tu vois, mais eux, ils font beaucoup plus dans les envois des colis. Voilà. Et ils sont plus rapides et plus chers, on va dire. C'est un service beaucoup plus personnalisé. Ça glisse ici. Finelle, ça glisse. Oh là là là. On va tourner juste ici. Il y a un très beau troc. Très très beau. Ils ont tous des beaux trocs ici. Voilà. On espère aussi trouver un endroit pour laver cette voiture. Don't let go. Chasing a beam. Ça est vraiment dangereux quand il y a la neige, c'est rien que de voir comment quand ils font la gueule qu'elle a. Doucement, doucement. J'aimerais juste sortir de Aspen. Voilà.
Avoir des belles voitures pour sortir ici quand il neige. Regarde celle-là aussi, elle est carrément cachée là-bas dedans. C'est très très jolie maison. Ben, je sais pas si vous les voyez, les belles maisons dont je vous parle là. Dieu n'existait même pas encore quand le monde s'était défait.
sont passés faire la randonnée. You.